Avec ce soir, chez vous, Philippe Gueluc. Ouais. Elsa Fayer. Ouais. Christophe Alévèque. Ouais. Caroline Diamant. Ouais. Annie Lemoine. Ouais. Et Gérard Miller. Annie Lemoine, qui vous a déchiré votre t-shirt? Parce qu'il y a un truc bizarre dans votre... Vous aviez vraiment bu, hein? Bah, non, enfin, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, c'est un pas fan vous. En furie. Mais non, c'est un créateur, vous savez bien. Ah oui, c'est Annie, ça, Annie, pourquoi tu précises pas la vision que tu as eue dans le miroir quand tu t'es vue ce matin? Mais pas du tout, mais disons que tu étais avec moi dans le miroir. Qu'est-ce qu'elle a eu comme vision? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle se regarde et tout à coup elle dit, on dirait que j'ai un sexe d'homme renversé. Tu as balancé, c'est quand même assez lamentable. Bah vous, vous avez deux grosses paires de couilles. Gérard, remontez le niveau. Ouais. Mais... vous êtes là pour ça, vous êtes payé pour ça, Gérard. Voilà. Voilà. Et vous êtes surveillé de près par votre meilleure amie, vous le savez, qui est là derrière vous. Madame de Fontenay, qui nous a rejoint dans le public. Gueluc, longtemps qu'on vous a vu. Bah, ça faisait une semaine, Laurent. Ah, c'est ça, bah voilà. Ça a paru long. Ça m'a paru tellement long. Oh, vous êtes gentil. Mais vous non, c'est faux cul, c'est tout. Philippe. Philippe Gueluc, nous avons fêté il n'y a pas très longtemps la 500e de cette émission. Est-ce que tu peux, une fois, prendre l'engagement de venir à la télévision française avec un t-shirt ou une veste d'une autre couleur? Je ne te connais qu'en noir depuis 5 ou 6 ans que je te connais. Il porte le deuil de ses cheveux, alors. Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle publiée par France Soir du Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, qui s'est rendu hier au Centre national de rugby de Marcoussis pour soutenir les rugbymen du 15 de France. Et regardez, on le voit en train de faire des poids et haltères. C'est avant leur rencontre, évidemment, contre l'Angleterre samedi soir. Vous serez devant votre écran, Annie, j'en suis sûr. Il faut dire quand même que le grand chelem, ils ont plus de chances, les rugbymen, de le réaliser, eux, samedi, que lui, Raffarin, dimanche. Mais en tout cas, manifestement, M. Raffarin continue à s'entraîner. Pour l'instant, il tente l'épaulé. Après les élections, ce sera l'épaulé jeté. Toujours plus fort sur une autre photo. Regardez, il fait du sport, le Premier ministre. Hop, là, ah, il vient de réussir l'exploit de soulever le bras de Xavier Darcos, candidat en Gironde. Un véritable exploit sportif en présence de François Bayrou. Et regardez bien la photo de Bayrou. Juste un geste suffit à nous faire comprendre que Bayrou s'est foutu le doigt dans l'œil. Et il y en a encore qui vont croire que c'est un appel discret envers les électeurs du Front National. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas de François Bayrou. Soyons honnêtes avec François Bayrou, l'UDF ne s'est pas associé à l'UMP dans les régions où justement le Front National avait été favorisé il y a de cela maintenant 6 ans lors des dernières régionales. C'est bien ça, Gérard? Absolument. Est-ce que vous avez vu le nouveau concept quand même? Non. Politique depuis non. Hier, c'est celui de la force modeste. Vous savez que Mitterrand avait été élu avec la force tranquille. Alors maintenant, c'était le gros titre du monde. La gauche, c'est la force modeste. Alors justement, formidable. À gauche, on est moins sportif. Regardez cette photo que publie Le Parisien ce matin. On nous montre donc qu'hier, tout le monde est passé à table à gauche. Et ce qui est amusant sur cette photo, c'est qu'on voit François Hollande et Laurent Fabius, vieux routiers de la politique, qui se sont retournés pour la photo. Tandis que le candidat en Ile-de-France, celui qui est tête de liste, c'est lui le candidat, Monsieur Jean-Paul Huchon. Ben lui, il est là-bas au fond. Il s'en fout total, il continue à manger tranquillement. C'est quand même incroyable. Non, c'est vrai. Alors, dans le Figaro, on en apprend un peu plus sur ce déjeuner qui se passait, je crois, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Regardez, on voit là, dans le coin, M. Dominique Strauss-Kahn qui, manifestement, va payer l'addition. Regardez, il a déjà la main sur le portefeuille, à moins qu'il soit en train de vérifier si on ne lui a pas piqué. Parce que, bon, ils s'entendent bien à nouveau à gauche, mais ils ne se font pas encore totalement confiance non plus. Hein. Christophe. Quand on pense que dans un mois, ils vont s'entre-déchirer... Ah oui, ça évidemment, de tous les côtés, hein, de toute façon. Bah, mais votez dimanche. Une autre photo, d'ailleurs, une photo terrible. Là, on sort de la politique française, c'est hélas de la politique internationale, mais tragique. Regardez la photo de cet adolescent armé de 8 kilos d'explosifs arrêté en Cisjordanie. On n'a pas envie de rire avec une photo pareille, mais le drame, c'est qu'il y a bien un crétin de couturier qui va s'en servir pour lancer une mode dans un prochain défilé.
Une autre photo, celle de Yukagir, le dernier mammouth congelé pendant 18 000 ans, retrouvé dans le sol gelé de la Russie septentrionale. Et regardez-le bien, ce mammouth, parce qu'il a beaucoup de succès. Et comme il a beaucoup de succès, eh bien, ce sera bientôt comme Céline Dion. Au bout d'un moment, on va lui limer les dents. Oh. Non, mais il y a un autre point commun avec Céline Dion, c'est qu'il voudrait utiliser une substance de ce mammouth pour essayer de féconder une femelle éléphante. Vous pensez que c'est René qui Mais c'est peut-être René qu'on a décongelé. Non, mais cela dit, je ne sais pas comment on fait pour branler un mammouth de cet âge-là. Pour... Non, mais c'est comme les enculeurs de mouches, c'est pareil. Est-ce qu'on peut redevenir scientifique deux minutes, Gérard? Parce que c'est quand même une superbe découverte pour la science, parce qu'il n'y en a plus de mammouth vivant maintenant. Il n'y a plus de mammouth. Il y a des Auchan, il y a des Carrefour, il y a des Leclerc. Mais il ne faut pas oublier que mammouth, ça n'existe plus. Les recherches continuent d'ailleurs, hein, pour qu'on puisse aussi retrouver un cop, un familistère, tous disparus en même temps que la mer Égéa. C'était le bon temps. Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans l'article, c'est qu'ils ont réussi à sentir l'odeur du mammouth. Parce qu'ils ont trouvé les pattes, mais si, 20 000 ans après, ils ont senti l'odeur du mammouth. C'est formidable, je rêverais de sentir cette odeur. Mais moi aussi, je me souviens quand on a reçu des Miss Roussos. Céline Dion, Denis Roussos, on se fait des potes là parmi les chanteurs. Allez, on reste au rayon frais avec Brian Joubert qui lui aussi montre les crocs, nous dit le Figaro. Ce soir, il va tenter de ramener une médaille du mondial de Dortmund, en patinage artistique évidemment. Et dans Le Parisien, on nous montre le nouveau Candeloro, hein, on peut l'appeler ainsi, dans son intimité du Poitou. Et oui, lui aussi, il vit dans le Poitou. Toujours le Poitou-Charente. On le fait pas exprès, c'est une région alors vraiment à la mode en ce moment. Mais regardez bien, pour respecter l'équilibre politique dans Le Parisien, on voit Brian Joubert poser d'abord aux côtés de Ségolène Royal, voilà, et ensuite aux côtés de Jean-Pierre Raffarin. Oh. Il y a même les lunettes. Encore du sport en patinoire avec François qui nous présente Christine Duchamp. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est la première Française à jouer en première division masculine dans le championnat de hockey. C'est-à-dire que c'est une femme qui joue avec des hockeyeurs, des hommes. Alors évidemment, avec l'harnachement, on va voir sur une photo, et le casque que tous portent, on ne peut pas la distinguer facilement parmi les messieurs. Mais quand même, comme elle reste très féminine, on doit pouvoir la repérer. C'est la seule qui continue à se regarder dans la glace. Elle n'est pas tellement amochée quand on la voit comme ça, elle est plutôt jolie. Non. Mais on ne l'a pas vue avant, peut-être. Tiens, un qu'on reconnaît facilement, c'est vous, Gérard Miller. À la une du Point cette semaine. Même t-shirt, même chevelure. Avouez que c'est vous, moi je vous ai reconnu. C'est vous qui donnez des conseils pour préparer sa retraite. Même de dos, on vous reconnaît. Gérard. Alors Gérard, c'est vous ou pas? Il y a quand même un critère qui aurait dû vous sauter aux yeux. Je n'ai jamais eu une montre comme celle du monsieur. Ah, je croyais que tu avais parlé de la musculature. Beaucoup plus originale, beaucoup plus drôle. Oh, elle est moche. Enfin, je veux dire... Mardi est sorti. Ne mettez pas votre enfant à l'école, il est trop petit, chez First Edition. Le livre de Béatrice Guerville, une institutrice qui estime que mettre ses enfants à la maternelle dès l'âge de 2 ans est une aberration. Dans son ouvrage, elle détaille l'univers des tout-petits en classe qu'elle considère comme hostile à cet âge-là, l'univers. Horaires imposés, effectifs trop nombreux, pipi à heure fixe et en plus, c'est là qu'ils apprennent à rouler leur premier pétard. Non, quand même pas à l'âge de 2 ans, mais c'est en tout cas à l'école, évidemment, souvent que cela arrive. 2 ans, c'est trop tôt pour aller à l'école. Un vaste débat, évidemment, va s'ouvrir avec ce livre. Une polémique, sûrement, c'est toute la question. Pour répondre ensemble à cette question, accueillons donc l'auteur de ce livre. Ne mettez pas votre enfant à l'école, il est trop petit. Béatrice Guerville. Bonjour, bienvenue. Vous êtes institutrice depuis 20 ans déjà. Vous avez exercé dans des classes de tout petits, de 2 ans et 3 ans. Oui. Et c'est trop tôt, vous dites. Mon expérience me fait dire qu'effectivement, je trouve que c'est trop tôt. Pourquoi trop tôt, alors? Donc, pour les enfants, ce qui se passe, voilà, il est simple. C'est qu'un enfant de 2 ans, il a des sollicitations, il est tout le temps là, il a besoin de... Il a besoin de sa maman et de son papa. Voilà, et puis il a besoin surtout qu'on s'occupe de lui, ouais. Tout simplement. Je suis d'accord avec vous.
C'est beaucoup trop tôt. On est dans une société, on a l'impression qu'on essaie de mettre les enfants le plus tôt possible à l'école, et puis dans laquelle on met les vieux le plus tôt possible à l'hospice. Et puis, mais pour faire quoi? Pour courir toute la journée? Je trouve qu'un petit bout comme ça, enfin, il a vécu 9 mois dans le ventre de sa mère, et puis que 2 ans à l'air libre, et poum, tout de suite, on le met dans on une école. On devrait mettre la femme enceinte à l'école, déjà. Oui, oui, mais c'est ça. C'est à ça qu'on va arriver. Non, je pense que c'est un âge où l'enfant n'est pas encore construit, ne peut pas encore se positionner avec, par rapport au monde avec extérieur. Le madame. Absolument. Caroline, vous qui êtes maman. Ça soulève plusieurs problèmes. C'est vrai que je comprends les problèmes de garde qu'ont les mamans. Moi aussi. Donc, beaucoup de mamans qui mettent les enfants le plus tôt possible, c'est aussi parce que ça leur coûte moins cher de le mettre à l'école que de le mettre à la crèche ou que de le faire garder à domicile. La deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de fierté. Moi, j'entends chaque fois que j'entends « Non, mais la mienne, c'est parce qu'elle est super éveillée. » D'accord. C'est jamais parce que donc tout le monde a des enfants super éveillés de 2 ans, donc ils veulent qu'ils sortent un an plus tôt de l'école. Comme ça, ça fera des chômeurs plus tôt, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est une course débile, donc c'est vrai qu'il faut arrêter. La vôtre qui a 15 ans n'est pas encore à l'école, je crois. Non, mais écoutez, j'écoute son rythme. Je vais vous dire, je me suis dit, si elle est intelligente, elle est intelligente. Si elle est con, elle est con. Ce n'est pas de faire le forcing pour la mettre un an plus tôt ou plus tard qui changera la donne, très honnêtement. Je pense et pas. Et alors, elle est. Et alors. elle est belle. Elle est comme sa mère. Ah. Gérard. Si on était dans une société idéale, évidemment qu'on voudrait que les enfants restent bien plus longtemps avec leurs parents, parce qu'il y a quand même là toute une série de choses qu'ils trouveront, qu'ils ne trouveront pas à l'école. Mais comme on ne construit pas assez de crèches, comme on ne s'occupe pas assez dans les entreprises des femmes enceintes, et ensuite des femmes qui accouchent, comme très vite elles doivent reprendre le boulot, sinon on risque de les foutre dehors, du coup, elles sont souvent contraintes de mettre les enfants à l'école. Donc dans une société idéale, vous avez raison, dans la société aussi cruelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut parfois admettre que les parents n'ont pas d'autre solution que de mettre les petits à l'école. Alors quelle solution vous proposez justement? Le gouvernement a fait un geste, hein, il a augmenté le chômage, les parents s'occupent beaucoup plus des enfants sur la maison. Alors... quelle solution vous avez, vous? Les solutions, je ne peux pas les trouver toutes seules. Ouais. Ce n'est pas possible. Justement, mon livre, c'est un témoignage. C'est ça avant tout. Donc, c'est un témoignage et j'espère que le débat va se lancer. Elsa Fayer. Moi, je trouve qu'il y a quand même 2 choses qui ne vont pas trop. La première, c'est qu'on nous dit que mettre les enfants tôt à l'école, ça les éveille beaucoup plus. Tout le monde le dit, tout le monde a l'air d'accord sur ce point-là. Or, aujourd'hui, vous nous dites que l'école à 2 ans, c'est très mauvais, voire l'enfant, si ça se trouve, ne pourra même pas faire d'études secondaires parce que cette école-là, finalement, il va la garder en traumatisme. C'est ce que vous dites dans votre bouquin. Il va la rejeter et ça fera des élèves qui vont quitter l'école à 17 ans sans diplôme. Donc voilà, nous, on a envie de faire au mieux pour nos enfants. Donc vous nous mettez dans une situation difficile. Moi, si je travaille aujourd'hui, c'est pour que ma fille, demain, je puisse la nourrir, je puisse l'habiller, je puisse en faire quelqu'un de bien. Et là, vous nous dites qu'en la mettant à l'école où on a l'impression de faire notre devoir envers elle, et ben finalement, on ne lui rend pas service. Alors moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis dépitée, je suis démunie. Mais honnêtement, je vous dis la vérité. En général, c'est à 2 ans. Deux ans, c'est fondamental. Oui, attends, à 2 ans, 3 ans, c'est exactement. Il y a une énorme différence entre 2 et 3 ans. Annie, c'est un problème de société. Il ne faut pas mettre les enfants à l'école à 2 ans, c'est certain. Entre 2 et 3 ans, ils apprennent tellement de choses qu'il faut vraiment attendre 3 ans pour les mettre à l'école. Mais il faut proposer une alternative aux parents. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent, effectivement, dans les crèches et dans les crèches où il y a du personnel pour s'occuper des enfants. Parce que vous, ce que vous dites, c'est moi, j'étais seule, j'avais 30 enfants. Comment voulez-vous que je fasse? Et vous avez raison de crier au scandale. Exactement. Qu'ils soient heureux, simplement. Exactement. Mais regardons, penchons-nous sur l'exemple du passé. Il y a 2000 ans, il y avait un enfant par crèche. Vous aviez une crèche, un enfant, un âne et un bœuf. Et 2 personnes pour s'en occuper. Bon, maintenant, il y en a combien? Bon, enfin, il n'a pas terminé ses études. Hein. Ça a mal fini. Hein. Oui, mais pour dire ce que dit Annie, moi, l'expérience que j'en ai, on avait 2 enfants. Je ne me rappelle plus quel âge ils ont maintenant, parce que ça fait longtemps. Mais l'allocation parentale, c'est parfait. Mais c'est à partir du 2e enfant, ce qui permet à l'une des deux dans le couple de s'arrêter de travailler. L'une des deux. Vous voulez dire la mère? Mais oui, parce qu'il faut faire un sacrifice dans ces moments-là. Il faut bien, si on veut garder les enfants... Non, mais un sacrifice, enfin, pas un sacrifice, une joie, c'est ça. C'est un bonheur de garder ses... D'éduquer son enfant. Ses petits chieurs, oui, bien sûr. Non, mais un enfant, avant 14 ans, il n'est pas intéressant. Alors... Et je rigole. Vous auriez arrêté, par exemple, pour éduquer ou élever vos enfants? Moi, le premier, je m'en suis beaucoup occupé. Ah. C'est pour ça que je ne me suis pas occupé du 2e. mais c'est vrai que, de toute façon, avoir une maîtresse à 2 ans, c'est beaucoup trop tôt. On n'en profite pas assez. Là,
attendez un peu, celle-là. Ben, c'est vrai, en tête que son pouce. Alors, une maîtresse qui... Il n'a peur de rien. Je n'ai peur de rien. Voilà. Et par contre, c'est un choix de société. Moi, j'ai fait le calcul. Ah. 30 gamins par classe, c'est plus de l'apprentissage qu'ils font. On est d'accord, les parents, c'est de la garderie. Donc, qui dit garderie, dit babysitter, qui est payé. Une babysitter, on va dire, comme elle fait des heures dans la journée, 6 euros. 4 jours par semaine, de 8h30 à 16h30, soit 8 heures. Babysitter payé 8 euros par heure. On va dire 6, ça fait 48 euros par enfant multiplié par 30, ça fait 1440 euros par jour. Multiplié par 4, ça fait 5760 euros. Multiplié par 4 semaines, normalement, une maîtresse d'école devrait être payée 23040 euros par mois. Oh là là. Ah, je sens que vous vous rapprochez de Christophe, là. Ne mettez pas votre enfant à l'école, il est trop petit. C'est signé Béatrice Guerville avec une préface de Claire Brissé. C'est chez Forst Éditions. Merci, madame. Merci. Le 29 mars sortira Anastasia, le nouvel album d'Anastasia. Et si vous ne la connaissez pas, c'est grave, parce que franchement, c'est bon. Et elle a chanté évidemment les plus grands succès qu'on connaît. Know That Kind, attention, là, je me lance dans les titres en anglais. Ou I'm Critter. Oh, attendez, on l'a pas, ça y est. J'ai foiré encore. Non, c'est dites pas mal. Dites-le à ma place, Elsa. I'm Out of Love. Voilà. Elle a reçu des dizaines de disques de platine et des disques d'or à travers le monde. Et pour vous donner un chiffre plutôt évocateur, elle a vendu 10 millions d'albums au cours de ces 4 dernières années. Pour cet album de 12 chansons, un peu plus rock que d'habitude, elle s'est entourée des meilleurs. Ben Barras Harting. Je ne les connais pas, alors on non, s'en fout des noms. Je la vois en coulisses, elle est morte de rire. On va tester ensemble Anastasia, elle, on la connaît. Bienvenue sur notre plateau. Non, c'est vrai, j'allais pas donner des noms de musiciens que personnellement je ne connais pas et que vous allez prononcer mieux que moi. Avec qui avez-vous travaillé sur cet album? I actually had the pleasure of working with Glenn Ballard. En fait, j'ai eu la chance de travailler avec Glenn Ballard, Dallas Austin et Dave Stewart. Des pointures, quoi, on peut dire. Mais vous avez écrit et composé vous-même la plupart de ces chansons. Yeah, I ouais. actually did. Mm-hmm. C'est vrai, j'ai écrit et composé, et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai envie de travailler de plus en plus, chanter mes chansons qui me viennent vraiment de mon âme à moi. Et écrire pour moi, c'est un petit peu partager en fait, et j'aime bien partager. Vous aimez partager, nous aussi, ça tombe bien. Et d'ailleurs, nos amis ici vont partager leur avis sur votre disque, ils l'ont tous écouté, mais avant, un extrait du clip de Left Outside Alone. To be left outside alone, to be left outside alone. I tell you all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay, I don't feel safe. I need to pray. Left outside alone. Première chanson extraite de ce nouvel album d'Anastasia. Franchement, là, moi, je suis impressionné, hein, quand même. 10 millions d'albums dans le monde. On n'a pas reçu quand même beaucoup de... Ah, beaucoup d'invités. Si, il y a eu qui? Michael Jackson, Michael dernièrement. Ouais, Michael Jackson, qu'on n'a pas reçu encore, non Michael non. Jackson. On va le faire, quand même. Il n'est pas libre en ce moment. D'ailleurs, Michael Jackson... non, Michael Jackson vous a aidé beaucoup. Yes. Oui, c'est vrai qu'il m'a bien aidé au début de ma carrière. Il m'a téléphoné. Vous savez, à l'époque, personne ne voulait me signer, aucun label, personne ne s'intéressait vraiment à moi. Et lui, il a été une des premières personnes en qui j'ai cru, que j'ai cru. Et je commence à me dire, mais oui, peut-être que je pourrais réussir une carrière après tout. On va demander juste si c'est possible de monter un peu le son de la traduction pour que tout le monde puisse bien entendre sur ce plateau. On peut demander à Anastasia de parler un peu moins fort. C'est aussi une solution. Je vais surtout, en attendant, donner la parole à Caroline Diamant, qui est la spécialiste du disque. Je ne peux avoir que de la sympathie pour une fille blonde, qui a la voix grave, qui est myope, qui porte des lunettes, qui sort un album le jour de l'anniversaire de ma fille. Moi, je trouve ça déjà fantastique, sur le papier. Et j'ai trouvé l'album plus rock que les précédents, qui étaient un peu plus soul, un peu plus funky. Mais j'ai trouvé ça très bien, très alors, entraînant. Alors, elle dit, Anastasia, que c'est sprock. Yes. It is the word soul
Le S de soul, le P de pop et le R de rock, ça fait sproc. Mais ça faisait trop de mots tout ça. Alors j'ai essayé de télescoper pour faire un nouveau mot unique, ça fait sproc. Au lieu de dire les trois mots. Voilà. Un album sproc. Annie Lemoine. J'adore, je connaissais les albums avant, je suis une inconditionnelle, il y a une telle énergie. Et je trouve que vous avez eu un problème de santé que vous n'avez pas caché récemment, et cancer du sein, qui arrive à beaucoup de femmes. Et vous avez une telle énergie que vous avez transformé ça, vous avez fait une fondation pour la recherche sur le cancer du sein. Donc tout ce qui vous arrive, c'est moteur, quoi. Et j'ai beaucoup d'admiration, et j'aime beaucoup ce que vous chantez, bravo. Tout d'abord, merci. Merci. Franchement, moi, j'ai le sentiment qu'on peut avoir des échecs, mais là, ce n'est pas un échec. Et lorsque j'ai eu le cancer du sein, je me suis dit à ce moment-là qu'il était plus important que je parle à certaines femmes qui avaient honte d'avoir ça, qui se disaient « c'est grave ». Moi, je me suis dit, vu qui je suis, peut-être qu'en parlant, je vais aider des femmes. Je me suis dit, c'est un petit peu pour ça que j'ai le cancer du sein, c'est pour faire passer un message là-dessus. J'ai trouvé que c'était quelque chose de positif et j'ai décidé d'en faire quelque chose dont je n'aurais pas honte, dont personne ne devrait avoir honte. Je me suis dit, on peut toujours être quelqu'un de super et survivre. Alors, c'est bien parce qu'avec vous, on peut parler des choses graves comme le cancer du sein, mais des choses aussi plus légères comme le tatouage du rein. Parce qu'alors là, oh, votre tatouage, je ne sais pas si vous l'avez vu, Gérard, au dos de la pochette, mais... Vous avez un tatouage ? Même que, je ne peux pas vous dire où, mais il y a tous les titres de votre album qui sont écrits dessus. Gérard, elle ne me croit pas. Gérard. Ce que vous ne savez pas, Anastasia, c'est que j'ai été un moment dans ma vie très proche de Diane et de Robert, vos parents. Et vous ne le savez pas, mais si vous chantez aujourd'hui, c'est en partie grâce à moi, parce que votre père Robert, qui chantait notamment dans les boîtes de nuit sur la côte Est, à un moment donné, je me souviens, vous me direz si je me trompe, vous étiez toute petite, vous êtes arrivée, vous n'étiez pas encore décidée d'être chanteuse, vous avez chanté devant votre père, et je lui ai dit, il faut absolument que cette fille chante. Et donc, c'est en partie grâce à moi que vous chantez. Voilà. Ah, tiens donc. Alors, absolument fascinée. D'ailleurs, voilà. Votre tête me dit quelque chose. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Vous voyez la différence entre les Français et les Américains? C'est que nous, les Français, quand on raconte des conneries, des bobards, c'est à propos de petites histoires comme ça, alors que vous, aux États-Unis, c'est sur les armes de destruction massive. C'est différent. Il arrive à tout politiser. Alors là, il est incroyable. Bon, pas de problème. Il a une tête qui me dit quelque chose. Ah mais oui, je me souviens, vous aviez un petit spectacle qui était vraiment bizarre. Mais bon, je ne parlerai pas ici. Hein. Cela étant, j'admire votre professionnalisme. C'est-à-dire que c'est impressionnant quand on reçoit ce disque de découvrir à quel point chaque chose est pensée, calculée et réussie. Donc voilà, ma petite plaisanterie ne fait pas oublier le fait que j'ai aimé votre album. Merci. Merci. Elsa Fayer. Alors moi, vous n'arrêtez pas de me surprendre, Anastasia. La première fois que je vous ai écoutée à la radio, j'ai dit « Elle a la voix d'Aretha Franklin ». Ensuite, je vous ai vue en clip vidéo. J'ai dit « Oh là là, elle est belle, elle est blonde, elle est super bien roulée, elle chante hyper bien, elle fera un bon chemin ». Je vous imaginais extrêmement grande, genre Claudia Schiffer, vous voyez. Et je vous ai vue. Me too. Moi aussi. Et je vous ai vue. J'animais une cérémonie de remise de prix et je vous ai vue. Et alors là, c'était un choc. Vous avez la même taille que moi. Donc j'étais ravie, 1m60, c'est ça. Mais ça fait pas le même effet. Christophe Alévèque. En règle générale, j'adore les chanteuses à forte poitrine. Je suis un peu déçu aujourd'hui par votre tenue vestimentaire qui fait un peu bonne sœur. Mais d'un autre côté, ça m'excite encore plus. Ah mais voilà, et là, le public ne le voit pas, mais vous avez des talons. Je ne sais pas combien de bonnes sœurs porteraient ce genre de talons, ce genre de bottes. Là. Et en plus, alors, cette voix, ce timbre très puissant, cette voix un peu grave, ces bottes, ce tatouage dans le dos, tout de suite, j'ai pensé à Fernande. Alors là, c'est la traductrice, débrouille-toi.
Fernand is a woman. Fernand is a real. J'ai un peu de peine à comprendre l'histoire de Fernand, c'est vrai. Fernand is a song, French song. Quelqu'un veut chanter? French song of a man. George Brassens. And he says, when I think about Fernand, I bond. C'est pas mal, très bien. Merci. Voilà, et en plus, comme c'est Sprock, moi, vraiment, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai... Moi, ça me donne envie de baiser, voilà. Anastasia, je ne sais pas combien de temps vous êtes chez nous en France ou à Paris, là, pour combien de temps vous êtes ici? Je pars demain, malheureusement. Oh, merde! Mais elle reviendra le 6 octobre au Zénith à Paris en concert. Elle revient le 6 octobre. Donc j'imagine quand même qu'il y a des tas de Français qui doivent essayer de vous draguer. Vous êtes peut-être un homme là-bas, aux States, mais est-ce que Christophe Alévèque, c'est votre type? Est-ce que vous imaginiez les Français comme Christophe Alévèque, par exemple? J'espère que non. La traductrice, attention, là. Hein. Well, you've got a job, right? Bon, tu travailles, oh, yeah. Non? Oui. Hey, that's pretty much all my criteria. Bon, voilà, c'est un peu mon critère, en fait, à ce stade. C'est tout ce qui compte. Pour autant que l'homme a un travail, ça me suffit. And I love America. Voilà. Oh! Je sais que votre maman chantait dans les comédies musicales à Broadway. I'm scared. Aïe, j'ai peur. Vous allez faire venir ma mère sur le plateau. Non, maman n'est pas là. Non. Vous êtes née à Chicago. Yeah. Est-ce que vous êtes capable de me chanter un air de la comédie musicale? Ah oui, génial. If love is a crime, baby, can't do my time with a hit song or I can sell me fly. If love J'ai encore pensé à Brassens. Anastasia, c'est son nom, c'est le titre aussi du dernier album. Elle sera en concert au Zénith à Paris le 6 octobre prochain à la rentrée. L'album sort là dans quelques jours, le 29 mars. Merci à vous. Dans les transports en commun d'Île-de-France, les petites goujateries quotidiennes et les grosses incivilités sont nombreuses. C'est pour cela que depuis 1999, la direction du Transilien SNCF tente, par le biais de campagnes de communication en tout genre, de réduire tous ces désagréments qui pourrissent la vie des contrôleurs, mais aussi celle des usagers. Quelques règles de savoir-vivre mériteraient en effet d'être observées. Pas de pieds sur les sièges, pas de cigarettes, on laisse les femmes enceintes s'asseoir et les personnes âgées aussi. Et a fortiori, ce sont des personnes âgées enceintes. Dan Bolander et Thierry Marquet, le ticket choc de cette émission, ont testé pour nous la courtoisie dans les transports en commun. Regardez cette caméra cachée signée Jean-Pierre Petit. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé la courtoisie dans les transports en commun. Dis donc les jeunes, vous pourriez laisser votre place à cette dame enceinte? Bon, ben vous n'aurez pas de bons points. Voilà, bien fait. Bonjour. Bonjour. Nous sommes un agent de courtoisie. Nous sommes là en fait pour apprendre la courtoisie aux gens qui sont dans les transports en commun, voyez. Et nous distribuons des bons points de courtoisie à toute personne qui se tient bien dans les transports en commun, voyez. Et au bout de 3 bons points, c'est un transport gratuit. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mais vous-même, vous êtes souriant. Oui. Et ça, c'est très bien. D'ailleurs, je vous distribue d'office un bon point. Ah, vous êtes gentil. Excusez-moi, madame. Vous êtes enceinte? Oui. Madame est enceinte. Nous sommes là en fait pour apprendre la courtoisie. Oui, merci. Donc, vous êtes très gentil. J'ai 52 ans, je crois que j'ai pas besoin de vos conseils. Je suis en train d'importuner monsieur. C'est bon, il y avait des places ailleurs. Arrête quoi. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis agent de courtoisie, d'accord? Écoutez, un petit conseil. Oui. Commencez par vous et puis après on verra bien. Comme votre camarade a dit, vous m'importunez. Vous êtes essuyé les pieds avant de monter dans le bus par exemple? Oh là là, allez, ça suffit. Hein. Je suis agent de courtoisie. Hein. Oui, mais j'en ai rien à foutre. Le chauffeur, là, il y a un monsieur qui nous importune, là. Vous pouvez pas l'arrêter ou le faire descendre? On est refoulé par les agents, alors j'ai dit,
On n'est pas là pour se faire engueuler. Bonjour monsieur, c'est vous qui écoutez de la musique? Ouais, c'est... Ah, faudra arrêter s'il vous plaît parce que ça insupporte toutes les personnes qui sont autour de vous. Ouais, c'est pas chez personne. Si, si, non. Ce n'est pas courtois d'écouter de la musique. Ah bon? En public, vous voyez, nous sommes c'est agents de courtoisie. Ouais. Vous voyez, nous j'ai sommes... jamais entendu parler de ça. Ben oui, c'est nouveau, c'est une nouvelle opération. Ah bon? Vous voyez, regardez, je me suis bien conduit. J'ai un trajet gratuit. J'ai un trajet gratuit. Voilà, franchement, c'est pas de la courtoisie ce que vous faites. Exactement. Parce que là, vous êtes en train de prendre la tête à moi. Il y a une odeur, il y a quelque chose là. Je peux vérifier si vous voulez. Ah non, non, monsieur, non, non, mais puis quoi encore? Non. Vous regardez les semelles des chaussures des gens? Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Et combien même j'aurais marché dans la merde? Et alors, j'attends de m'arrêter pour m'essuyer les pieds, enfin. Nous sommes agents de courtoisie parce que les gens ne sont pas assez courtois, râlent tout le temps, la preuve, vous voyez. Ah bah oui, avec des gens comme vous, on ne peut pas faire autrement. Une initiative comme ça peut être sympathique, mais là, franchement, vous déconnez. Mais là, je suis désolé, je ne peux pas vous attribuer de bons points, vous voyez. Ah non, bah j'en veux pas des bons points. Non, mais n'importe quoi. Il faut regarder mes godasses, lui, n'importe quoi. Vous voulez pas que j'enlève mes chaussettes aussi pour savoir si elles reniflent? Cette caméra cachée de Bologne de Remarqué est assez révélatrice de l'ambiance dans les transports en commun. On sent qu'il y a une vraie tension quand même, non, Gérard? Bah, surtout si on fait chier les gens, faut bien dire. Faut pas exagérer. Oh, quand même, le monsieur à qui on demande de laisser sa place pour une femme enceinte, il aurait pu se lever et laisser sa place, non? C'est vrai, ah, c'est vrai. Tarzan? Pardon, excusez-moi, c'est mon téléphone. C'est son petit nom. Ça, Christophe à l'évêque, c'est pas courtois, par exemple. Bah, je peux répondre, non mais continuez. C'est... Enfin, voilà ce qui emmerde les gens dans les transports en commun. Okay. Le téléphone la... portable. C'est ma femme. Pardon? Elle regarde TF1. On va accueillir quelqu'un qui a écrit un guide du savoir-vivre. Elle va nous dire ce qu'elle nous pense de tout ça. Elle va nous donner une petite leçon de courtoisie. Voici Florence Lebras. Bonsoir. Rappelons que vous avez publié ce guide du savoir-vivre qui a été édité, réédité chez Marabout. Recevoir, être reçu, tradition et modernité, écrire et s'exprimer. Bref, tout pour être quelqu'un de bien. Oui, quelqu'un de bien, oui. Alors, est-ce que tu trouves que c'est bien cette campagne que... Ah oui, c'est très bien. Mais ouais. Tout ce qui va dans le sens de la civilité, du savoir-vivre, de l'amabilité, c'est très bien, c'est très positif. Alors, les petites étiquettes ou les petites affiches, les panneaux sur lesquels on peut lire, actuellement, il y a ça dans les transports en commun. Le téléphone sonne doucement. Ça ne regarde que vous. S'il y a trois personnes qui racontent leur vie, leur week-end dans un autobus, c'est insensé. Enfin, c'est quelquefois très amusant, plein d'enseignements, enfin tout de même, c'est un peu dérangeant quand même. Une maman a besoin de s'asseoir, laissez-lui la place du cœur. On peut lire ça aussi, c'est une affiche. Oui, c'est bien, c'est une très bonne idée, je trouve. Et puis, on peut informer les autres en donnant le bon exemple. Par exemple, moi, dans le métro, je cède très souvent ma place, mais à toutes les femmes, parce que je me dis, je ne sais pas si elles sont enceintes ou pas, elles sont peut-être enceintes depuis quelques minutes seulement, donc je respecte la règle. Moi, je demande à la dame, je dis, vous êtes enceinte, elle me dit non, je voulais le devenir. Bon, voilà. Christophe. Bah, je laisse ma place aux femmes enceintes que si c'est de ma faute. Gérard. C'est pour ça que t'es toujours debout, d'ailleurs. Hein, parce que... Oh, il a combien? Deux, trois enfants, Christophe? Oui, deux enfants, oui. Bah, oui. Enfin, deux enfants avec votre femme, en tout cas. Et tout ce qu'on a gâché. Ouais. Il n'est pas interdit d'être poli avec les contrôleurs, même si votre ticket est valable. Oui, ça c'est amusant, mais je ne suis pas sûre que tout le monde le comprenne. Ils auraient pu rajouter aussi, même si c'est des cons, parce que de temps en temps, ils sont... Oh, voilà. Mais vous savez, c'est parfois dangereux des annonces comme ça. Je pense simplement aux annonces qu'on fait parfois dans le métro. On dit, faites attention, des pickpockets ont été signalés. Et à ce moment-là, vous voyez tout le monde qui est en train de vérifier où se trouve son portefeuille, ce qui signale exactement l'endroit où les pickpockets doivent aller chercher. Annie, il y a des choses que vous avez remarquées comme ça dans les transports en commun? Ben, écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une vie privilégiée, donc quand je prends le bus par exemple, je suis quelqu'un d'heureux, donc je souris, je dis bonjour au conducteur et tout se passe bien. Donc dans l'autobus vous souriez, il y a qui c'est que vous faites la gueule? Ça, ce panneau est très bien pour... Rappel, nous vous invitons à parler moins fort quand vous téléphonez dans le train, sauf bien sûr si votre conversation ça, est passionnante. Ça, c'est sympa. Ça, je trouve c'est rigolo. Oui, ça, c'est amusant. C'est bien de faire de l'humour aussi, comme oui. Ça. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Caroline? Alors, moi, j'aime bien écouter les conversations des gens qui sont au téléphone, mais alors, ils font super la gueule quand on leur donne notre avis sur ce qu'ils devraient faire. Mais vous ne pensez pas qu'on les infantilise aussi un petit peu? Parce que si on doit tout gérer comme ça, en mettant des post-it partout, des pancartes partout,
on n'en peut plus, quoi. Là, j'en ai marre. On m'apprend à conduire, on m'apprend à éduquer mes enfants, on m'apprend à manger, on m'apprend à me tenir en public. Toi-même. Mais ça, quoi, j'ai l'impression d'être gamine, j'ai l'impression de ne pas grandir. Parce que finalement, ça n'a pas été fait dans l'enfance. Le plus souvent, les gens qui sont mal élevés, quand ils sont adultes, pas vous, pas du tout. Mais il y a des gens qui n'ont pas été éduqués parce que leurs parents n'ont pas eu le temps, pour différentes raisons. Là, il cumule, lui. Il téléphone et il fume en même temps. Il a les pieds certainement sur le siège. Oui, le pied, pied sur le siège. Gueuluc. Et votre livre est formidable. C'est gentil. On trouve des tas d'exemples de comment faut-il se comporter en société. Ah oui. On sait ce qu'il faut faire, par exemple, quand on arrive quelqu'un. Faut-il se lever quand on présente des invités à une soirée? Est-ce qu'il faut se lever, s'asseoir, dire monsieur, mais... Alors, les femmes doivent rarement se lever. Vous dites, les femmes se lèvent seulement si on leur présente un ecclésiastique, un ministre, un chef d'État. Ça m'arrive jamais. Très âgée, une personne très, très âgée. Un pape. Sinon, on peut rester assise. Oui, assise. Oui. Quand je pense au nombre de fois. Oui, mais ça, c'est une règle, mais on peut l'adapter, évidemment. Chère Florence. Oui. Oui. Chère Florence, arrive le moment de la grande question. Oui. Lorsqu'il y a un escalier, je suis toujours gênée. Si je laisse passer, par exemple, la femme devant moi pour monter l'escalier, je vois à ce moment-là ses fesses, mais d'un autre côté, je peux la retenir si elle tombe. De même, lorsque je descends l'escalier, je me mets devant pour la retenir. Oui. Oui. Donc il n'y a finalement que lorsqu'on monte un escalier qu'il faut passer devant. Des femmes qui ne tiennent pas debout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah non, l'homme monte devant la dame pour ne pas être tenté de regarder si Non, mais on m'avait appris qu'il montait derrière pour au cas où elle tomberait. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Allez, avec un dernier mot. Oui, moi j'ai résolu le problème. Je ne prends ni le bus, ni le métro et j'invite personne à bouffer. Mais dans cette campagne, sur les transports en commun. Souriez dans le bus. Il y a quand même quelque chose qui m'a paru un peu dangereux. L'idée est de flatter le voyageur le plus civique et de le transformer en intransigeant contrôleur. Ah, c'est marqué, hein. Moi, ça me fait peur. Ouais. On est encore une fois de plus dans le contrôle, dans la répression, dans la délation, dans... lui, regardez, il a mis son doigt dans le nez, il s'est gratté les fesses... Oui, intransigeance, le mot est peut-être pas très bien choisi, c'est vrai. C'est mieux. C'est trop sévère. Et puis ça dépend dans quel ordre il le fait. C'est mieux dans ce sens-là. Surtout. Je vais vous dire, et je me permettrai d'ajouter, surtout s'il est écossais. Je me permets de dire à mes petits camarades tout à l'heure, lorsque Laurent, vous allez dire que cette séquence est terminée, madame va se lever, nous devons, nous les hommes, nous lever. Car lorsqu'une femme se lève d'une table, tous les hommes doivent se lever, même quelques instants. Eh bien, madame Florence Lebras, le guide du savoir-vivre, nous vous remercions. Merci à vous. Madame Dolnet. Notre dernier invité pour ce soir, c'est Jean-Luc Ley. Le 7 avril prochain sortira son nouvel album, Gloria, et son single, Sans vous, est disponible depuis le 9 mars dernier. On se souvient de ses chansons qui sont restées dans toutes les mémoires, Femme que j'aime, Débarquez-moi ou Papa chanteur, et qui lui ont permis un retour gagnant récemment sur une chaîne concurrente. D'ailleurs, après lui avoir fait un retour gagnant, TF1 lui aurait fait une autre proposition, La Ferme. C'est pas ma faute, c'est le nom du programme. Pour tester ensemble Gloria, l'album qui sortira bientôt, et surtout la première chanson qu'on entend déjà un peu partout. Sans vous, voici Jean-Luc Ley. On vous avait reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Les chansons n'étaient pas encore prêtes. C'est fait. L'album sortira dans quelques semaines maintenant. On a déjà une première chanson, enfin même deux, grâce à ce single. Mais la première chanson qu'on entend, c'est cette chanson qui s'intitule « Sans vous », que j'ai écoutée. Et je dois dire, elle est bien cette chanson, parce que d'abord, c'est du Jean-Luc Ley pur jus. Ah, oui. Franchement, ça, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On vous retrouve tel qu'avant. Absolument. C'est une chanson que j'ai dédiée et que j'ai écrite pour le public. Et pour lui transmettre ce message fort d'amitié et lui dire combien il m'a manqué durant toutes ces années. Voilà, vous... Alors, l'album sortira le 7 avril prochain. Pour l'instant, il y a un single, Sans vous, et une autre chanson aussi qui s'intitule Un jour viendra, la chanson signée Mallory Hallyday. Vous connaissiez Jean-Luc Ley, Caroline Diamant? Pas personnellement. Dommage. Ça va être ton tour de parler, tu vas pouvoir te rattraper. Allez-y. Non, mais en revanche, bien sûr, je connaissais le parcours, votre parcours en tant qu'artiste. J'ai jamais été une fan, à proprement dire, mais j'ai toujours admiré beaucoup votre parcours.
et votre énergie et ce que vous avez fait quand ça a marché pour vous et la façon dont vous avez su ne pas oublier ce que vous aviez traversé. Et j'ai toujours trouvé ça admirable. Surtout qu'il faut rappeler que le livre que vous aviez écrit sans famille, non seulement s'est vendu à... Enfin, c'est incroyable, 1 250 000 exemplaires, je crois. Mais il faut rappeler que vous avez laissé tous les bénéfices, reversé tous les bénéfices à la fondation que vous avez montée. Et ça, c'est purement admirable. C'est pas mal. Gérard Miller. Alors, d'abord, un homme qui a joué au baby-foot avec François Mitterrand ne peut pas être complètement mauvais. Ça alors, mais où est-ce qu'il a cherché tout ça? Mais c'est exact ou pas? C'est vrai. Est-ce que vous l'avez laissé gagner? Non. Et il a baby, reçu... je suis aucun cadeau au baby-foot. Et t'as reçu Jacques Chirac aussi. Oui. Alors, tu vois, tu dois être emmerdé au moment des élections, toi. J'ai pas joué au baby-foot avec Jacques Chirac. Il paraît que le terrain est trop bas pour lui. Vous avez joué au baby-foot avec De Gaulle? Ah oui. J'ai pas compris. Le baby foot avec De Gaulle. Mais oui. Ah oui. Pardon. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir parce que c'est le chef. Non, mais t'as secoué, ça m'est venu. Oui, bon. Je crois qu'il faut être clair. Vous appartenez à une tradition des chanteurs français que j'aime beaucoup, les chanteurs populaires. Ce sont des chansons, effectivement, qui ne transmettent pas des messages autres que ceux de l'amour, de l'amitié, de la tendresse. Pourquoi faudrait-il faire la gueule? Pourquoi faudrait-il faire la moue devant ces chanteurs-là qui ont vraiment contribué à la tradition française, la meilleure? Et donc, moi, j'ai aimé ça. Merci, merci, Gérard. Annie Lemoine. Moi, je trouve particulièrement touchant quelqu'un qui dit aussi fort « J'ai besoin des autres, j'ai besoin de l'amour du public pour vivre ». Donc, je trouve ça très, 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 très touchant, très émouvant. Et je souhaite vraiment que votre album marche. Je pense qu'il a toutes les qualités pour ça, parce que, comme dit Laurent, il est sincère, vous êtes fidèle à vous-même. Dans la documentation qu'on nous donne pour préparer l'émission, j'ai découvert que vous aviez importé le karaoké en France. C'est vous qui l'avez repéré. J'avais reçu à l'époque Jean-Luc Lay, qui nous avait vendu le karaoké. Ah, moi, je ne savais pas. Tout à fait. Laurent c'était à Troyes dans l'Aube, d'ailleurs, je me souviens absolument, très bien. Absolument, des pionniers, où j'ai ramené cette idée avec Michel Lafon en 88-89 du Japon. Au Japon, ouais. Et j'ai tenté de le lancer en France pendant 2 ans. Les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, karakoe, koe, kara. Non, parce que vous aviez laissé les trucs en japonais. Oui, mais c'est vrai, en plus, parce qu'on a racheté les premiers systèmes avec le sous-titrage japonais rajouté sur du français, voire de l'allemand. C'était un compliqué, le truc. Et puis finalement, l'idée a fait son chemin. Oui. Nana Mouskouri est arrivée, puis après d'autres. Christophe Alévèque. Alors, moi, en général, j'aime bien les chanteuses à forte poitrine. Comme Anastasia tout à l'heure. Vous l'avez croisée, Anastasia? Hélas, non, mais vous avez de jolies représentantes, quand même, ici. Oh, mais c'est rien à côté, là, c'est du brouillon. Je rigole. Mais Gérard, tout de suite, il en profite, allez. Christophe, il est très chahuteur. Alors, je n'ai pas écouté le CD. Bon, il sort le 7 avril, j'attends le 7 pour l'écouter. Ça, moi, c'est clair. Avant, ça ne sert à rien. Si jamais il sortait pas, on aurait bossé pour rien. Voilà. Parce qu'avec toi, on ne sait jamais si tu reviens, tu repars, tu fais un retour, etc. C'est comme ta sœur Brigitte, ça rentre, ça sort. On sait jamais. Voilà. Alors, j'attends le 7. Le public, ne demandez pas où, s'il vous plaît. Mais il était là la dernière fois que qui était venu, il était là. Moi, j'adore Jean-Luc Lahaye, j'aime bien ses chansons et je suis d'accord avec Gérard. Vive la chanson, la variété, voilà. Voilà. Pas de honte à faire la variété. Merci. Elsa Sayer. Je sens que c'est pas son truc, Jean-Luc Lahaye. Je le sens. Non. Non mais c'est bien. Pour ceux qui aiment. Bon, c'est bon. Pour ceux qui aiment. Mais voilà. Oui, mais voilà, c'est de la variété française. Moi, c'est pas mon truc, mais je sais que vous avez énormément de fans. Et voilà. La seule chose, c'est que vous êtes resté vraiment fidèle à ce que vous avez été dans les années 80, vos années de gloire. Et que finalement, vous arrivez aujourd'hui. J'attendais un truc un peu plus. J'attendais un retour avec des choses un peu différentes. Voilà. Moi, je trouve que j'ai fait des chansons qui restent dans l'air du temps. J'ai pas envie de sacrifier à la mode, à faire tout le monde en ce moment veut faire du pop-rock. Bah, je crois que vous auriez tort, parce que là, les gens ne s'y retrouveraient pas du tout. Mais vous avez raison.
Du schprock. Tout le monde veut aller là-dedans. Moi, je sais faire de la chanson. Faites du Jean-Luc Ley. Bah, bien sûr. Alors, évidemment, vous pensez bien qu'on va vous interroger sur... Et moi, mon avis, non, ça... Oh non, je m'en fous. Oui. J'ai une petite histoire. Bon, alors, je vais le dire très vite. Moi, je vous adore. Je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, mais un jour, pas devant les caméras de télévision. Parce que j'aurais en télévision, quand vous faisiez des émissions de télévision, vous avez ce côté de gamin qui s'amuse de tout ce qui lui arrive. C'est formidable. J'adore le truc. Chanson populaire. J'essaie de faire vite. Hein. Chanson populaire, formidable. J'adore. On comprend ce que vous dites. C'est comme c'était avant. C'est formidable. Et alors, on a un point commun. C'est que moi aussi, tous les bénéfices de mon premier livre, je les ai versés à une association qui s'appelle l'Association pour le bien-être de Monsieur Gueuluc. C'est bon, ça. Non mais alors c'est vrai que, il y a eu cette émission aussi, Retour gagnant, qui a perdu. Est-ce que c'est vraiment grâce à cette émission que cet album est sorti? Non, il était prévu de toute façon. J'enregistrais depuis 3 ans, j'ai mon studio d'enregistrement et j'y travaillais. Cette émission a précipité les choses, c'est vrai. Et je vous ai vu alors chez notre confrère Marc-Olivier Fogiel, Fabrice Luchini a fait beaucoup pour votre popularité parce qu'il connaissait quasiment vos chansons par cœur. Il est extraordinaire parce qu'on sent que c'est un garçon qui aime chanter. Il aime le rock, lui, alors du coup, il transforme toutes les balades, même les bluettes, en rock sauvage. Je pense que je vais le retrouver au concert de Yes prochainement. Mais moi, j'ai décidé d'aller voir Fabrice Luchini et je vais lui faire une petite entrée surprise au théâtre. C'est vrai? Bah, je vais lui chanter quelques chansons encore. Ah, ça va. Du nouveau répertoire. Mais pas dans Knock, quand même. Oh, j'ai très envie. Au milieu de Knock. C'est Jean-Luc. Je pense qu'il me prendrait pas mal. Bon, alors, et la ferme, parce qu'en ce moment, tout le monde parle de ça, votre nom. Et comme on sait, moi, je tiens à vérifier auprès de vous directement, parce qu'il y a des tas d'artistes qui disent « je suis pas content », on reçoit même des fax d'agents, d'attachés de presse, qui disent « non, monsieur Jean Dujardin ne fera pas la ferme, TFA raconte des histoires. Non, madame Truc n'a jamais été contactée par la ferme. Ne dites pas qu'un tel ira dans la ferme. » Alors, vous, votre nom est cité comme quasi certain dans cette nouvelle émission de télé-réalité. Qu'en est-il? Ah, alors la réponse est que j'ai été contacté par Endemol. J'ai écouté ce qu'ils avaient à me dire. J'ai fait savoir que le concept était certainement très intéressant pour certains people, mais pas pour moi. Bon. Et on en est là et j'ai pas l'intention de participer à cette émission, mais je n'ai rien contre. Voilà. Vous ne serez pas dans la ferme. On va finir par en avoir un. On va finir par en avoir un parce que vous en faites une affaire personnelle. Mais c'est dingue. Il n'y a plus personne. On se demande qui va y avoir. Ça va être une ferme sans personne. Non, mais avec deux vrais, finalement avec deux vrais fermiers. Qui vont très bien sortir. Laurent, Gérard. Grâce à des gogos comme vous, Laurent, on est en train de découvrir un nouveau type d'émission, l'émission qui n'aura jamais lieu, mais dont on aura parlé beaucoup plus que si elle avait eu lieu. C'est incroyable. Tous les jours, vous nous parlez de ça. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Moi, je veux savoir. Ouais, je suis d'accord. Moi, ils m'ont toujours pas appelé. Allez, Jean-Luc Ley, l'album s'appelle Gloria. Il sortira le 7 avril prochain. Le premier single avec la chanson « Sans vous ». Et un jour viendra, merci d'être venu nous voir, Jean-Luc, vous restez avec nous pour le... Est-ce que vous vous souvenez du nom du jeu? Le... Qui a dit? Qui dit le quoi? T'as qu'à finir, enfin! On va commencer avec San Severino, un chanteur, et il déclare « Quand tu as joué dans les bars ou quelque chose, tu peux jouer n'importe où après. » Quand tu as joué dans les bars où tout le monde parle quand tu chantes? Non, 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 non. Ils parlent des buveurs de bière. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur bière, les buveurs de bière? Quand ils font des en Allemagne. Non. Ah, ils secouent leur bière et paf. Allez-y, ils les secouent. Ah, quand non, c'était juste pour voir le geste. On sent une certaine expérience. Pas du tout. Alors, ils ont leur bière. On va y arriver. On sait qu'on est marié avec un éjaculateur précoce. Je vais vous aider parce que je vois que ça rame sec. Il est là, il est sur scène avec sa guitare. Eux, ils sont avec leur bière en train de le regarder. À un moment donné... Il balance la bière sur scène. Mais laissez-le finir. Plus précisément que ça, alors. Il te jette la bière à la gueule. Non, il jette le bouchon. Non, alors, il renverse la bière quelque part. Où? Sur les pieds. Alors voilà, il... Sur la guitare. Voilà, il renverse les bières dans la guitare. Bravo, Jean-Luc Ley. Ça rame, hein. Oh, on y est arrivé, hein. On a ramé, là. Gérard Houllier, vous aimez le football? Oui. Et il avait dit, Gérard Houllier, après le match aller, au match retour, on ira faire un 1 de Marseille. Un savon? Non. Un savon? Un savon de Marseille. C'est drôle, c'est drôle. C'est bien, Gérard. Non, c'est bien. Ah, c'est bien, ouais. Une sardine dans le porc? Non, mais c'est animalier. C'est un truc qui se mange?
Je crois qu'on peut en manger, mais seulement dans Fierce Factors. D'accord, très bien. Alors, ah, ça rapporte avec des insectes. Alors, bravo, des pas des grillons, mais des... Des cigales. Des cigales. Alors, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? On va chanter les cigales de Marseille. Ah non, pas les faire chanter, du tartare de cigales. On ira tuer, on ira les faire taire. On ira faire taire. Les faire taire, bravo, Caroline Diamant. On ira faire taire les cigales de Marseille. Juliette Gréco, elle déclare « Il était temps que je sorte un album, car la prochaine étape, c'est... » Posthume. La Starac. Non. Posthume. Presque, alors la c'est quoi? La compilation posthume. Père Lachaise. Le Père Lachaise. Ouais, alors qu'est-ce qu'on trouve au Père Lachaise? La tombe. C'est la pierre tombale. La pierre tombale, ouais. Bravo, ah, exactement, Elsa Fayère. Jean-Luc Ley, sans vous, maintenant avec vous, grâce à vous, et à son album qui sortira début avril, Gloria. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Merci.